Bonjour à tous, ici Joueur Gamer, on se retrouve pour l'épisode 13 de Bob l'éponge sur la PS2. Comme promis, je fais la suite. Donc là, faut suivre le glouton Barjo là, en bicyclette ou je sais pas quoi là. C'est pas une bicyclette, c'est un je sais plus quoi. Donc voilà, avec le pâté de crabe. Donc là, faut juste faire. Je pense qu'il faut faire les. Bah non, faut faire juste un tour, je pense. Je me rappelle plus de celui-là en fait. Donc voilà. Hop, j'en profite pour récupérer les pièces, mais faut surtout pas s'éloigner de lui en fait. Sinon, faut recommencer. Donc voilà, là faut faire gaffe aux boules. Voilà. J'étais sur ma lancée, je pouvais pas m'arrêter. Et en plus, les freins sont pas terribles ici. Faudrait peut-être que j'aille au garage pour modifier. Yeah, c'est vrai. Donc là, je suis le. Bah, lui là. Depuis tout à l'heure là. Ça fait une heure que je. Non, je déconne. Donc là, un passage, vous voyez. Il y a un passage secret, mais faut passer avant. Ce passage secret. Donc voilà. Je sais aussi qu'on peut tourner. Si ma mémoire est bonne, on peut passer dans un chemin où il y a de l'eau. Je me demande s'il faut pas faire 3 tours avec lui. Je sais pas, on verra bien. De toute façon. Voilà, donc là il y a des petites boules là. Je sais pas c'est quoi. Des bonbons. Ouais, c'est la salle des bonbons, c'est dans une machine à bonbons. Ok. Tac, là, je tourne. Le plus dur c'est de braquer à gauche ou à droite. Surtout comme ça. Voilà. Putain, c'est trop dur. Ah oui d'accord, donc en fait il y a 3 tours, ok. Il y a 3 tours à faire. Donc le premier vous l'avez vu. Donc le deuxième ça va être par là. Donc là il y a un passage secret comme vous pouvez le voir sur la gauche. Là vous pouvez plus le voir vu que j'ai avancé plus vite que la lumière. C'est vrai. Donc je voudrais remercier Naruto 36 pour les autres parties de Bob l'éponge. Les autres épisodes plutôt. Voilà, bon bah je prends ça dans la tête, voilà. Les explosifs. Il y a vraiment pas grand chose à dire en fait. Là je fais 3 tours. Ouais, il y a vraiment pas grand chose à dire sur cette vidéo. C'est pas trop mon truc. Les trucs comme ça, là, les voitures. La voiture de pâté, là. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît, vous a plu. Les vidéos précédentes vous ont plu. Donc, après Bob l'éponge, comme prévu, je ferai Hitman. Hitman 2, en fin de compte. Hitman 1, je l'ai pas. Enfin, je l'ai sur PC, mais voilà. Bah, je crois que je vous l'ai déjà dit sur une de mes vidéos. Donc ce sera Hitman 2, 3 et 4. Et peut-être un jour Absolution. Hitman Absolution. J'ai déjà fini. Là je crois que. Ah oui d'accord, là ça va faire deuxième tour je crois. Mais c'est long hein. Je m'attendais pas à ça. Là c'est la deuxième tour là. Non. Ouais. Donc là il me faut. Donc il faut 3 tours et là je suis à mon troisième tour. Donc voilà. Donc surtout faut pas le laisser partir ou faut le suivre, mais faut pas passer devant lui quoi. Donc si vous avez besoin de sensations fortes, je vous déconseille de le dépasser quoi. C'est pas une course qu'on fait, c'est on te suit en fait. C'est lui qui nous montre la voie. Il va nous emmener jusqu'à là-bas là. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Eh, c'est bizarre qu'il passe pas dans les passages secrets. Il nous prend le chemin le plus long en fait. Pour faire 3 tours c'est long quand même. Hein. Donc
Donc je dis, parce que là c'est vu que c'est le dernier tour, je le dis tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me suivre sur Facebook et Twitter. Donc voilà, donc là pour aujourd'hui il y aura deux vidéos. La vidéo avec le boss là, de Nice, et cette vidéo là. Demain il y aura l'épisode, la suite quoi, l'épisode 14. Après 15, 16. Il y a une vidéo par jour comme je vous ai dit. Donc là c'est exceptionnel, j'en mets deux. Bon c'est vrai que, attends c'était quand? C'était vendredi je crois que j'en ai mis deux. Ouais je sais plus. De temps en temps j'en mets deux, parce que comme ça je travaille pas le samedi. Bon sur ce je vous laisse. Je pense que ça va être un petit film. Donc sur ce je vous laisse pour, on se revoit demain. Pour de prochaines aventures sur Bob l'éponge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un like aussi, ok. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ok quoi. Voilà. Lorsque Bob l'éponge et Patrick s'éveillent de leur rêve plein de crème glacée et de cacahuètes dansantes, ils découvrent qu'ils ont été faits prisonniers par le cyclope. Car vous voyez, chers spectateurs, nos héros sont enfin arrivés à Ville de Coquille et ont découvert son terrible secret. Ville de Coquille n'était rien de plus qu'un magasin de souvenirs. Ceux qui s'étaient fait capturer avaient été séchés et transformés en bibelots puants. Et c'est précisément le sort qu'allaient connaître nos deux amis. La situation semblait carrément dramatique et sans espoir. Mais ils furent sauvés par les larmes de Goofy Goober ainsi que par un système d'extinction très efficace. La couronne de Neptune était à leur portée. Mais nos deux héros devaient s'échapper de la très dangereuse ville de Coquille et tromper la vigilance de leur ennemi mortel, le Cyclope.